Aujourd'hui, nous avons commencé par un jeûne avec Cléa. Nous avons pris une dose chacune pour la seconde fois de l'Acaninum d'Imilka. Nous en avions déjà pris une chacune il y a 8 semaines. À l'époque, la vétérinaire avait dit que cela servait à retrouver confiance en soi et respect de soi. Elle m'a dit qu'il faut parfois refaire une passe de la même dose, car nous n'avons enlevé qu'une couche lors de la première prise ou des précédentes prises. Cette fois, elle m'a prescrit cette dose en me disant qu'elle permet de gérer un trouble du métabolisme du sodium, souvent associé à l'insuffisance rénale chronique, traiter la douleur interscapulaire. Il s'agit d'un point douloureux entre les épaules. À sa description, il s'agit du point que je visais pour qu'elle ne boite plus. Et cela fonctionnait. Je n'ai même pas parlé de ces semi-miracles, comme je l'avais appelé dans mes précédentes lettres à la vétérinaire, et elle m'a parlé de ce fameux point. La dose permettrait également de traiter les peurs de la trahison. Quand elle m'a dit le mot trahison, je me suis rendu compte que ce mot n'a jamais été ressenti par moi comme quelque chose qui existe. J'ai réfléchi et j'ai pensé qu'on pourrait penser que j'ai été trahie quand j'étais lanceuse d'alerte, par exemple, puisque j'agissais pour l'amour, également pour ma mère, qui a subi de nombreuses tortures, alors que mon vœu le plus cher était qu'elle aille bien. Et on m'a caché énormément de choses pour que je ne puisse pas comprendre la situation. Mais j'aurais plutôt dit que c'est l'amour qui a été trahi en faveur de la haine, car c'est ainsi que je perçois le monde. J'ai demandé au pendule et cette peur de la trahison, ni Cléa ni moi l'avons selon lui. Par contre, cela va aider des personnes autour de nous dans le réseau d'être connectées à nous, d'après lui, puisque nous diffusons l'énergie. Selon le pendule, la dose traiterait les problèmes de jalousie. Cléa et moi n'en avons pas, d'après le pendule, mais d'autres personnes seraient atteintes de jalousie à notre encontre. La prise de la dose devrait donc améliorer les synchronicités, toujours selon le pendule, du fait du traitement des peurs de la trahison et de la jalousie. Mon géniteur aurait peur d'être trahi et serait jaloux à notre encontre. Le trahir veut dire être à l'encontre de la haine. Le pendule me répond de manière de plus en plus drôle car il prend en compte ma psychologie. Parfois, au lieu de me dire oui ou non, il se met à faire des tours, comme une jolie danse. Alors, en voyant cela, je lui ai demandé de danser et il a danser.